c'est la femme, écoute ce qui... Raga Sonic, groupe légendaire du reggae dancehall français, composé de Daddy Maury, de son vrai nom Maurice Samaké, né en 1973 à Paris, et de Big Red, de son vrai nom Stéphane Joachim, né en 1972 aussi à Paris. En 1990, Raga Sonic voit le jour. Voici leur histoire. L'aventure de Air Sonic commence en 90 au moment où Big Red, membre du groupe Rap Sonic avec Crazy B, qui deviendra un membre du groupe Alliance Ethnique, ainsi que Cool MC et Doug Field se séparent. Maury, lui, faisait partie du groupe Drop the Lyrics avec Kathir et Fredo, qui seront les membres par la suite de la brigade. Big Red et Maury se rencontrent en Sound System et décident de créer le groupe bien connu aujourd'hui Air Sonic. Ils se produisent aux côtés de Sunjata Sound System avec Big Daddy et Just Well. Et en 90, tu participes à la naissance du Sunjata Sound System. Exactement. Donc, d'ailleurs, ça vient d'un ancien nom, du nom d'un ancien roi du Mali. Voilà, à l'époque, ouais. Je ne savais même pas. Tu ne le savais pas? Bah non, j'étais jeune, je ne connaissais pas trop l'histoire du Mali et je l'ai appris après, quoi. Alors qu'est-ce qui reste en toi de toute cette période? Il y a le Sanjata aussi, il y a tout ouais, ça. Ouais, le Sanjata de 90, 91, 92, 13. On a joué, mais un nom incalculable de fois avec eux. Avec Big Daddy, avec Jess Cool, avec Selector Echo, c'est dangereux. Ouais. Bon, à l'époque, il y avait des squats, on jouait sous les ponts, on jouait les mecs, c'était dingo, tu vois. C'était vraiment une époque folle, on a beaucoup travaillé avec eux, toi. Ils mettent le feu en Sound System avec leur flow et leur lyrics affûtés. Et en 91, ils participent au titre Raga Jam sur le premier album de MC Solar. Ils continuent les Sound System et la hype autour d'eux grandit de plus en plus. Et ils continuent à travailler dur. En 95, ils participent à la BO du film La Haine avec le titre Sors avec ton gun. Un film et une BO qui deviennent cultes. Mais t'es mal à vache, t'es mal à vache, t'es de ma mère. Mais ta gueule avec ta vache, toi. Ça, c'est à moi que tu parles, là. Oh, c'est à moi que tu parles. C'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. Mais c'est à moi que tu parles comme ça, mec. Vas-y, fais pas l'enculé, fais-moi crédit. Oh, vas-y, ta soeur, je vais lui faire crédit aussi à ta soeur. Mais comment tu parles de ma sœur, toi? Arrête de te prendre au sérieux, pauvre petit robot en carton. Ça y est, bâtard, c'est tout. Elle mère, mais que sa mère, oh merde, fils de pute. T'es mort. Ah, j'ai rien fait, t'es pas la prise. J'ai rien fait. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, as-tu déjà eu dans tes mains un Uzi? Sais-tu quel effet ça fait d'enlever la vie? Cette même année, ils signent dans une major et sortent leur premier album Raga Sonic 1, produit par Frenchy. Et là, leur talent éclate aux yeux du grand public. Leurs titres J'entends parler du sida et Bleu, Blanc, Rouge sont des énormes succès. L'album est solide avec des gros rythme jamaïcains du moment. J'entends parler du sida, tu l'es passé, passé et passé par là. Avec une gapote, tu verras qu'une d'éléments c'est mieux comme ça qu'il paraît. Seul l'homme, jeune fille, protège-toi du sida. Soutenu par NTM, Joe Star réalise même le clip Bleu, Blanc, Rouge. Ton rang est blanc, ton costume bleu, et tu vois rouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Les fachos éliminent le Romeu et les Renois, c'est vrai. Si je vois un facho devant moi, obligé faut qu'il bouge. Kuchen Joe Star participe aussi au titre Aiguisé comme une âme, toujours réalisé par Joe Star. Encore un gros classique. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau. Ils font les premières parties lors de la tournée de NTM. L'album devient vite disque d'or et finit à plus de 200 000 copies vendues. Un succès immédiat, même presque trop rapide pour Maury. 95, premier album Raga Sonic. Raga Sonic, vous signez votre premier contrat. Premier contrat, premier pied dans le show business. Ouais. Ouais, c'était un truc de ouf. On était jeunes, on s'y attendait pas. Nous, on pensait vraiment pas. Que ça allait faire tout ça de remue-ménage, quoi. Nous, on sortait vraiment des sons de système, des soirées vraiment très underground dans les squats. On écrivait nos lyrics pour les 200-300 personnes qui venaient nous voir. Oui.
on pensait pas que ça allait toucher tout ça le monde, quoi. Et as-tu l'impression que c'est arrivé un petit peu trop tôt, tout ça, ce succès-là, t'as frappé un petit peu trop tôt? C'est vrai que j'aurais aimé être préparé un petit peu avant, comme ça j'aurais pu gérer un peu ma caillasse, un peu mieux. Mais bon, je regrette rien, franchement, c'est arrivé quand ça devait arriver, t'as vu. En 97, Alain Chabat, ancien membre de Les Nuls, les contacte pour participer à la BO de Didier. Didier. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, oublie. Oublie le pain. C'est pas important, ça. On ne sent pas le cul. Bon, on ne sent pas le cul des filles. Voilà. Sauf si c'est elle qui demande. Si c'est elle qui demande, tu vois avec elle. Ils enregistrent le titre La Ramène Pas. Où je le mets le pied. La même année, l'album Ragasonic 2 sort dans les bacs, enregistré dans le bastion du reggae dancehall, la Jamaïque. Un énorme succès sur la lignée de leur précédent opus. Et vous avez été d'ailleurs disque d'or. Ouais, sur le premier album, on a fait plus de 200 000 exemplaires et sur le deuxième, pareil. Ouais. Les singles « Faut pas me prendre pour un âne » et « Laisse le peuple s'exprimer » imposent leur style. Un album lourd, puissant et conscient. Un succès qui semblait faire d'eux un groupe majeur dans le monde du reggae et pour longtemps. Mais en 98, après des tensions entre Maury et Big Red, plus l'incarcération de Maury en prison aux Antilles pour détention de marijuana pendant 4 mois a eu raison du groupe. Ils se séparent. Alors vous êtes séparés justement à cause de différents musicaux. Exactement. Big Red. Ouais, en 99, j'ai eu différents problèmes avec la justice à cette époque. Et à ma sortie, on a arrêté le groupe Ragasonic en 99 pour différents problèmes, quoi. Après ça, les deux artistes démarrent chacun une carrière solo. Mais avec les années, les discussions débutent pour une reformation du groupe. C'est alors qu'en 2010, ils font leur retour avec une grosse série de concerts. Boum, Zemé, Ragasonic again, Zemé. Ce soir, ça massait que ça se passe. Si t'es pas là, tu es nulle part, tu as tout raté. Zemé, allez. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme, puissant comme un couteau. Trop de traces sont tombées, ils se sont fait balancer. On me laisse dire, ma mère, c'est normal. Ragasonic, chante pour tous les masses et frappe le fond. Au service de la cité, mes graines mourir. C'est de tes anges, je ne prendrai pas la poussière. J'y tiendrai au changement, c'est le d'animaux. Oui, infime la scène. L'Afrique a des matins, la télé, mais il est dégâts. En fait, depuis 2010, le set qu'on fait là, depuis 2010 jusqu'à maintenant, d'ailleurs, on va s'arrêter de le faire pour changer de set le 15 octobre à la sortie du nouvel album. C'est le set du comeback, en fait, toi, qu'on joue là depuis 2 ans, le set des vieux morceaux, de ambiance souvenir. Et là, d'ici le 15 octobre, on va leur sortir le nouveau set. Puis en 2012, voit le jour de Ragasonic 3. Un retour tant attendu par les fans de la première heure. Fidèles à leur credo, les lyrics sont faits pour éveiller les consciences sur des bons rythmes reggae dancehall. Cet album-là, là, celui qui sort le Ragasonic 3, qui sort le 12 octobre, en fait, c'est une reprise de contact avec la vibe essentielle de Ragasonic pour les gens et puis pour nous aussi. Donc on pouvait pas faire un truc trop excentrique, trop poussé, trop pointu.
on retrouve des grosses bombes comme Ça va clasher ou Mon Sound. Une femme contre survêt, botte contre running, ça va clasher. Tous les soldats sont retranchés, l'ennemi sous bombe vient les charger. Et ça n'a pas changé jusque-là, devant tous ces conflits, j'en ai jusque-là. Tant d'inégalités, on te falsifie qu'immigration contrôlée. Gros bâtard en limousine, gros bâtard en limousine. Mon sound c'est les bestes, mon sound est les bad. Bada 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 bad, mon sound c'est les bestes. Fibre de bande, on n'est jamais sans nous. Je me rappelle de l'époque 1990. Ça fait pas de 10 minutes, tout le monde était habillé. Un gros titre sur les débats de l'identité nationale. Ne me parle pas d'identité nationale. Ça me résidait en France, j'y suis depuis ma naissance. Et je l'ai malgré son passé colonial. Notre identité, oublie la couleur. Seul compte la personne. Là, je ne suis pas une victime. Je te le dis pour la énième fois. Je veux juste une place sur cette terre. On t'a fait la cœur, tu veux nous faire taire. Et voici quelques autres extraits de cet opus. Changer le monde, si tu pouvais même changer l'histoire. Chômage, licenciement, beaucoup sont dans la précarité. J'en ai pas le pouvoir, mais si on me le donnait. Mec, on aime les mecs, on aime les mecs, mec, mec, on aime les mecs, on aime les mecs, mec, on aime les mecs, on aime les mecs, mec, mec. Regarde ta gueule avant de critiquer les autres. De la connerie, tu t'es de la faute. À cause de je sais pas quand est-ce que je vais m'en sortir. Je ne peux pas abandonner. Mais c'est un garçon, les vagas m'en fait trop en cause. Et les voyages, une fois tout celui qui est le plus fort. Après une grosse tournée, les artistes replongent dans leur carrière solo. Des rumeurs d'un quatrième album sont sorties en 2017, mais rien n'est arrivé. Cela fait 10 ans qu'ils n'ont pas sorti d'album ensemble, mais l'aventure ne semble pas finie pour autant. Peu importe ce qui s'est passé entre Migraine et moi, il y a une alchimie qui y a quand lui et moi nous sommes sur scène. Qu'on ne pourra jamais enlever. Et même, pour te dire, hein, t'as vu qu'on a reformé Ragasonic en 2010, ça faisait super longtemps qu'on n'était pas montés en scène tous les deux. Le premier jour de la répète, tous les morceaux, on les connaissait par cœur. Je ne savais même pas que je les connaissais. C'est une fois qu'on a commencé à chanter que je fais « Ah ouais, je me rappelle des morceaux, je me rappelle des placements, de ceci, cela. » Donc, ouais, c'est... Puis gradement, on est connectés, quoi qu'il arrive. Même si demain, on ne se parle plus, que ceci, on restera connectés. Dieu a fait les choses comme ça. Des fois, on peut pas... C'est inexplicable. Nous aurons peut-être la chance de voir éclore un nouveau projet du groupe. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère entendre bientôt des nouvelles tunes de Ragasonic. C'est toujours un plaisir de les découvrir. Mais en attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Big up, peace.